Vous m'avez sans doute connu grâce à ma porte et aujourd'hui je décide de menotter 24 heures avec ma porte. J'ai tout ça à faire. Vous l'avez compris, on va pas rester ici pendant 24 heures, j'ai clairement pas envie, donc on va détacher la porte. Mais ça c'est la première mission ça. Oh putain, c'était super simple. Oh là là, ça va être horrible. Ce soir j'ai plus de mains et j'ai plus de portes. Ça sera la dernière fois que vous allez pouvoir m'appeler le mec des portes. Hein. Après cette vidéo c'est terminé. Hein. Mais comment je vais faire mec? Mais c'est totalement impossible, mec. C'est-à-dire faut que je passe par le coffre pour monter dans la voiture. J'en peux plus de cette vidéo. Regardez dans quelle position je suis. On est arrivé au premier lieu. Trampoline Park. C'est parti. Let's go les gars. Je me sens vraiment pas bien, j'ai vraiment l'impression d'être exactement le terme, le golemon d'internet. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va un peu, ça va. Ouais. Aujourd'hui j'ai passé 24 heures avec ma porte. Je vais faire un salto arrière. Oui. J'en peux plus, j'ai déjà mal au bras, frérot. Beaucoup trop dangereux de venir avec une porte dans un trampoline park. Il y a trop d'enfants. Tous les parents me regardent vraiment mal. Et c'est pas une blague, ce que je viens de dire. Je ne suis pas du tout à l'aise. Vous avez connu l'Anthony à l'aise. Vous voyez, l'Anthony pas du tout à l'aise. Je veux vite partir de ce moment. Je vais tomber, gros. Il y a Flo qui m'a motivé et il m'a dit fais ça. Tu te sens prêt? Non. Et quoi? Voilà, je suis là. Ah oui, ok. Regarde mes pieds comme ils tremblent. Ah. Ah. J'ai complètement triché. Trampoline Park c'est fait. Et encore un grand merci à Jump City de nous avoir accueillis. Et si vous voulez venir faire du Trampoline Park les gars, c'est dans le 7-7. L'adresse est juste ici. C'est la deuxième épreuve, manger McDo. Le McDo est bien évidemment blindé. Il est l'heure de manger. Je suis quelqu'un qui est pas trop à l'aise avec le regard des gens. On a une caméra, j'ai une putain de teinture blanche. J'ai une putain de porte sur moi. À l'intérieur tout le monde me regarde. Ok, sur place. Faut que t'as entendu la gamine, elle a dit. Putain le déménagement il est chiant en ce moment. On se met là mec. Vas-y passe avant moi. Faut que tu passes avant moi. On est seulement à la deuxième activité et il en reste beaucoup dans cette vidéo. Bon les gars, ça y est, on va manger, ça fait plaisir, je suis content. C'est bon, maintenant que la porte est posée par terre, j'ai failli la faire tomber. Et là, ça aurait été le drame. Donc là, le trampoline, c'était horrible à vivre pour moi parce que les gamins, j'avais peur de les assommer, les darons qui me défoncent. Là, je suis au McDo, donc les gens s'en foutent. Ça va rien changer à leur vie. À part juste peut-être qu'ils se disent, il fait quoi ce golemon. Mais bon, qu'est-ce qu'on a dit? Le golemon d'internet, il est là. Tout ça pour passer sur YouTube. Manger McDo. Et maintenant on va direction faire du quartier. J'ouvre la porte. Je suis trop content mais pourquoi avec les menottes et la porte? C'est ici même qu'on avait dormi, qu'on avait fait du bowling, du karting, on a couru, on a fait les comptes toute la nuit. Encore merci à la briqueterie de m'accueillir, c'est déjà la troisième fois. Pourquoi ils ont accepté ça? Regarde mon pied gauche. Ah ouais. Bah vas-y, je pense qu'on va essayer comme ça. Hein. Les gars, abonnez-vous à cette chaîne. J'aurais jamais pensé de faire ça de ma vie. J'aurais jamais pensé qu'un jour, des gens auraient accepté que je vienne dans leur entreprise faire des trucs aussi golemons que ça, les gars. Les gars, c'est horrible. Wesh. La porte est tombée. La porte est tombée. La porte est tombée. Aïe. On va tester comme ça. Hein. Aïe. Aïe 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 aïe. Waouh. Je vois rien du tout. Oh. Je vois rien. Waouh. Oh la porte avec le vent. Oh ça vire. Waouh 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 waouh. Nico Nico. Ah, c'est le deuxième tour, je vais essayer de faire beaucoup mieux. Les gars, cette porte-là, je la verrai plus jamais pareil dans choisir la bonne porte. Écoutez-moi bien, à partir de maintenant, c'est une promesse que je me fais, je ne prendrai plus jamais la porte bleue. C'est la débrouille qui m'a donné suivi en soirée, il m'a dit, hey, plus haut, tu pouvais faire un concept où tu restes 24 heures attaché à ta porte. Ok les gars, cette fois-ci, on rigole plus, on va faire un vrai tour. Je vais aller vite, mec. Let's go. C'est horrible, hein. Je déteste cette monotone à cette porte pendant 24 heures. Mais qu'est-ce que j'aime vivre des trucs de golemons comme ça, putain. Ouais, du coup, elle est partie à la porte, les gars. Non. Oh putain, mec. Regarde mes doigts, regarde mes doigts. Je peux plus les ouvrir. Faire du karting, c'est validé. C'était pas facile, mais en vrai de vrai, je vous jure que j'ai kiffé de fou. Pendant le truc, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est trop bien de vivre des trucs de golemons.
te jure, je me suis dit ça, je me vis des trucs de golemons, je veux encore plus en vivre. J'adore, c'est trop bien. Ah, les gars, vous l'avez compris, c'est parti. On doit aller sur Paris parce que là, on a ça à faire, les gars. Allez voir Timothée. Les gars, vous connaissez Timoth ? Il est dans le local, le club, qui est à l'opposé de nous. On y va en transport, les gars. On aurait pu y aller en voiture, choisir la facilité, mais on y va en transport. Parce que c'est ce que vous voulez voir, que je m'affiche. Bah non, ma porte. Est-ce que ça rentre dans l'RER, ma porte ? Bon, en vrai, ça va, les gars, là, il n'y a pas trop de monde. Donc ça va, c'est cool. Là, ça va, on est dans l'RER, c'est chill, l'RER. Après, ce qu'on a, les gars, c'est pas un métro, c'est un bus. Il reste 18h33. Les gars, abonnez-vous à cette chaîne et vous savez quoi, tout de suite, je vous le dis, à 50 000 likes sur cette vidéo, je reste menotté à cette porte pendant 7 jours. Il y a une deuxième porte à passer. Les gars, il y a du monde de fou. Ils descendent pas beaucoup. Qui est là? Les gars, il y en a un problème. Là, la prochaine, c'est Nation. Pareil que la sortie, c'est là où je suis. Et je vous laisse voir le monde qu'il y a. Premier degré, j'ai mal au ventre. Ah ouais, dans l'amiable. Tu peux filmer les fonds verts? Ma déception, c'est maintenant. Ah mais, il y a marqué, tout le monde le voit là, ce qui est marqué sur la bouche. Ouais, là c'est vraiment limite, je fais un spectacle, regardez ce que j'ai à faire. Les gars, c'est la prochaine, j'ai aucune strat de comment je vais sortir la porte là. Les gars, regarde, filme comment elle touche le plafond. Je sais pas comment je vais réussir à sortir. Je me suis abonné à toi il y a pas longtemps en plus. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ah, tu me suis sur les réseaux? Ouais, bien sûr. Ah, ça fait plaisir, merci. Ouais, ouais. Okay. Ouais, j'ai vu la dernière vidéo que t'as fait avec Neoxy. Ah oui, sur les objets. Voilà. Ok. Ouais, c'est gentil, c'est cool. Non, c'est drôle. Ah, bah tant mieux alors. Faut surtout pas se tromper de porte, quoi. Vas-y, vite, vite. Tout s'est passé comme prévu, frérot. Tout s'est passé comme prévu. Oh putain, j'étais en stress. Ok. Laisse-moi me poser 2 secondes, me calmer. Repenser à ma vie, repenser à Romain. Merci Romain, je t'aime. Mec, il était trop gentil. Ça fait comme ça? Ouais, Romain. C'est toi qui as mon ticket? Ah, ouais, ouais, c'est moi. Il passe pas? Ah, c'est des bons de fou, les gens. Mais... Ouais, non, t'inquiète, mon frérot, y a aucun problème. Je suis très bien là. C'est bon. Comment? Voilà, t'as qu'une porte et une menotte. Je dois rester 24 heures attaché à la porte. Il y a un peu sado. C'est ce que je dois faire aujourd'hui. Non, ça, c'est une blague. Non, non, c'est vrai, là, parce que je fais des vidéos sur YouTube. C'est ouf, les gars. Ah, mais ça si, si. Je la fais glisser. Bon, bah les couilles, c'est bon. Hein? Tout le monde lit sur mon panneau. Je me cache avec la porte, c'est une dinguerie. Ah, tu peux me remettre mon manteau s'il te plaît, frérot? Merci. Donc, imagine vraiment, regarde, passe à droite et comme ça tu vas me voir à gauche. Imagine, tu vois un mec comme ça, regarde. Merci monsieur, vous me sauvez la vie. On a combien de temps de route, monsieur? 11. 11, ça va. Ah! Les gars, ça y est, là pour moi on a fait plus chaud, on a pris le RER, c'était atroce. Le bus, je pensais que ça allait être pire. Et du coup, là maintenant, les frérots, on va aller voir Timothée. Oh putain. C'est un bâtard. Bienvenue au club. Évidemment, je parle à la porte. Ça va, frérot, je t'avais pas dit bon. J'espère que tu vas bien. Bienvenue au club, voilà, t'es. Des crocs, elles sont juste là. Tu fais quelle pointure? 42. 42. En plus, c'est des jaunes. Bah, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Mec, j'en peux plus. Mec, on a pris le RER, le bus. Et le RER avec ça? Une heure, mec. Ouais, c'est vrai, toi. Arrête, dans ta tête, tu te dis ça à Golemo. Gros, mais comment tu t'es déplacé avec ça? Horrible. Je t'ai préparé un petit truc. Quoi? J'ai acheté 2 boosters Pokémon. Oh! Si t'as des cartes moins bien que moi dans le booster, tu rentres en transport. Si t'as des cartes mieux que moi, tu peux rentrer en van. Mais t'es un bâtard! Mec, les transports, il y aura du monde à Star 6, ça va être inondé. Ça, généralement, ça veut dire que tu peux avoir des bonnes cartes. Les gars, le code, voilà. J'ai l'impression d'être un créateur Pokémon. Focus. Tu fais 1, 2, 3. 1, 2. Et tu mets les 3 cartes en dessous des 2 cartes. Ok. Comme ça. Pour l'instant, c'est pour moi. J'ai Voli, t'as un vieux traîneur pourri. Alors, là, j'ai gagné. Non, j'ai un chien, il le 60 mange. 60 PV. Bah, il le mange. Ah ouais? Bah ouais. Moi, c'est un chien, il les mange les verres. Non, c'est les PV qui comptent, non? J'ai l'impression qu'il triche là. Mais n'importe quoi. Non, mais c'est. En vrai, c'est des communes, donc en vrai, on s'en bat les couilles. C'est que sur la rare, je troll. Ok, ok, ok.
Je te laisse découvrir en premier. Par pitié, les transports, mec, c'était vraiment... Déjà, les transports de base, tu connais. Ouais. C'est chiant. C'est chiant. Imagine-toi les transports avec une porte qui fait 2 mètres de haut. C'est chiant. Oh, bâtard! Mais gros, c'est une ex-full art. Franchement, là, il y a... En vrai, elle est trop belle. Franchement, à moins que j'ai une carte de fou malade. Ok. Au pire, c'est lui qui paye le van, s'il perd. Oh putain, c'est une rare classique. Mais après, tu peux pas être dégoûté, t'as rien à perdre, toi. Tu veux juste me voir souffrir. Ok, énergie. Et de la merde. Oh, il est. Nicolas, on est bien. Je t'autorise à rentrer en vrai. Oh oui. C'est bon, je t'autorise à rentrer. Franchement, en je te dis la vérité, je crois que je t'aurais ken. Non, en vrai, j'aurais joué le jeu. Mais ça aurait été horrible. J'aurais tellement inécupable. Bon, frérot, vu que j'ai gagné, je peux prendre un van. On l'a commandé, il arrive. Putain. Voilà. Oh, c'est beau comparé à moi, putain. Et voilà. Merci, mec. Par contre, qui a mis un chassé là? Tristan, mec. Il a défoncé la porte. Oh putain. Les gars, vous allez comprendre sur la vidéo la semaine prochaine. Choisis la bonne porte avec Tristan. Pourquoi la porte elle est comme ça? Donc abonnez-vous bien pour pas la rater. Là vraiment j'ai plus envie, là ça, là ça me fait vraiment plus rire là. Je suis vraiment au premier degré, j'en ai vraiment marre là, vraiment. C'est, regarde mon manteau, tout ça là. Bisous mon frérot, merci pour les petites cartes, c'était cool les petits tirages. Si les vannes nous veulent pas mec, et bah... Je sais pas, j'ai aucune solution. Les gars, je stresse, il y a le van qui arrive, s'il accepte pas les gars, on est dans la merde. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Excusez-moi, j'ai un petit service à vous demander. En fait, j'ai une vidéo sur YouTube où justement je dois être menotté à ma porte. Est-ce que vous pensez que ça rentre à l'intérieur ou pas? Ça serait génial si c'est possible, ça m'arrangerait parce que du coup sinon on est un peu dans la galère. On n'a pas filmé dans le Uber. Je sais pas comment c'est possible mais il a accepté les gars, putain de merde. Ça, c'est dans cette voiture les gars, c'est rentré. Faire les courses. Vous verrez la tête de Nicolas. On est tous les deux, on n'en peut plus les gars. Attends, faut juste que je... Désolé Nico, faut juste que je me remets dans le truc là. Faut de me taper la honte, de faire des trucs de Golemont. Je suis un Golemont, redis-le moi, je suis un Golemont. On est des Golemont. On est des Golemont. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Est-ce que c'est normal déjà cette condition-là? Wow. Des petits nems, ça te va? Je vais les cuisiner. En vrai, si je les chauffe et que je les coupe, c'est cuisiné. Ouais. Il a les chutes, donnez-moi la tête. Oh, il a sa tête, les gars, il en peut plus. Au bout de sa vie, c'est le pire. C'est l'objectif. La salade, c'est où? La vie de ma mère. Eh, viens, on se barre d'ici. Ah, pas mal, j'avais pas pensé à ça. Pas mal. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Ça va? Ça va un peu. C'est un peu chiant. C'est un peu lourd, ça. Ouais, ouais. Il est mort de rien. Ça va? Ouais, je t'en sors. C'est un peu chiant, mais ça va. T'as besoin d'aide? Non, c'est gentil. En vrai, elle est pas si lourde. Hein. Merci. Oh putain. Oh là là, mais rien ne va. J'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter un câble, là, c'est bon. J'en peux plus, là. Le Golemont Internet. Voilà, c'est ça que vous voulez voir, le Golemont Internet. Et ben voilà, vous l'avez vu. Putain. Je veux absolument vous remontrer une dernière fois la galère que c'est. J'en peux plus de cette journée de merde. Tac, je le baisse. Attends, attends, doucement, parce que là, on est en train de niquer la caisse. Bah, tu vois, bizarrement, c'est la dernière fois que je sors de cette voiture. Et en fait, c'est horrible. Bon, du coup, faire les courses. Allez. Ce qui reste à faire, c'est cuisiner et manger. Et après, je vais dormir, les gars. Vraiment, là, il est quelle heure, là? 20h35. Je ne me couche jamais à ce temps-là, hein, mais là, je suis mort. Ok, hop, les petits nems. J'en peux plus. Si ça, c'est pas un chef tuto qui a fait ça, les gars. Et on va prendre bien son temps pour manger. Franchement, on dirait des bites, on faut le dire clairement. Avant, c'est des tubs. Ah, tu bouffes une bite. Cuisiner et manger. Franchement, c'est un repas gastro super bon. Par contre, je suis grave chaud que tu m'allumes la petite veilleuse là-bas, là, et tu mettais la lumière en partant. Voilà. Bon les gars, je vais pas faire plein de cinéma et vous dire que c'est désagréable. Franchement, ça passe de fou. Il y a la petite porte, là, elle est là. Les gars, ce plan est insane. Donc très sincèrement, de dormir, je suis trop content parce que je vais pouvoir me reposer. J'ai adoré la journée d'aujourd'hui, elle était trop cool. Mais j'avoue que j'ai hâte d'être demain, les frérots, quand même, pour juste ne plus subir ça. C'était chiant quand même. Bisous les gars, à demain. Yo les refs. Ça fait au moins, je sais pas, ça fait 2 heures que j'arrête pas de me dire je me rendors, je me réveille, je me rendors. Mais je crois que j'ai beaucoup trop dormi par contre. Midi 32, j'ai bien dormi, j'ai bien rentré à la nuit hein. Les frérots, il est temps d'enlever ces menottes parce que ça fait maintenant plus de 24 heures que je les ai et j'en peux plus. Les gars, les menottes elles sont... Putain. Je me souviens plus, Nico il m'a dit qu'il les avait laissées où. Oh, les gars, la clé. Oh oui!
merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo de Golemon. Vraiment, là, c'est Golemon d'internet, les gars. On va pas se mentir. N'oubliez pas, à 50 000 likes, je deviens le plus gros Golemon d'internet en restant menotté une semaine à ma porte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. On est bientôt aux 300 000 abonnés. Et le but, c'est d'atteindre le million rapidement, les frérots. Parce que c'est mon putain de rêve. Gros bisous, les frérots. Et merci d'avoir suivi la vidéo.